Bonjour à tous, ici c'est Nikosa qui va faire une présentation d'un jeu. Et oui, grande nouveauté, je ne fais... Aujourd'hui ce n'est pas une... Une vidéo de programmation, mais bien une vidéo de jeu. Alors vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui on est dans Minecraft, multijoueur. Pourquoi? Bah parce que j'aime bien le multi et je pensais vous présenter le multi, c'était bien. Alors on se trouve dans la maison. Dans ma maison. Et si vous avez pu le remarquer, je comme vous l'avez peut-être vu, non là j'ai un bug, comme vous l'avez peut-être vu, je veux dire connaître, su, vous savez, peut-être, qu'est-ce qu'on va faire? Et bah c'est juste la présentation de ce jeu. Alors je fais quoi? J'aménage ma terrasse. Ce qui est bien, c'est que c'est un jeu où vous n'êtes pas limité. Votre seule limitation, c'est peut-être votre inventivité. Sinon, vous êtes pratiquement... tout est pratiquement faisable dans Minecraft. C'est un jeu en 3D. C'est des cubes. Bon, la résolution est... Enfin, le graphisme est peut-être pas là, mais c'est un jeu que j'apprécie énormément. Ça a été une des révolutions des jeux vidéo. C'est pour ça que je tiens à vous faire cette présentation. Et j'ai un ami, Voldemort. Et non, c'est pas Harry Potter. C'est son. Alors, on fait un peu le vide. Voilà. Alors, je lag parce que comme je filme... Voilà. Voilà ma petite terrasse, petite. Mais bien. Moi je trouve bien ma petite terrasse. Alors, je vais peut-être un peu trop vite. On va remettre de la terre. Alors, la particularité dans ces nouvelles versions, c'est la faim. Vous avez faim, faut manger. Et oui, dans ce jeu, quand vous avez faim, il faut que vous mangez. Voilà. Alors, je vais vous parler de cet aspect bien connu de Minecraft. La nuit et le jour. Deux grandes périodes. Ah voilà. Voilà, nous avons de la chance. Voici un creeper. Là, ce que vous voyez en vert. C'est un creeper. Alors là, mon ami s'est fait complètement entouré. Voilà, c'est un creeper. Non, ça c'est vraiment chiant. Ça apparaît la nuit et ça vit le jour. Quand vous approchez trop de lui, il explose au bout de 3 secondes. Et c'est vraiment chiant.
c'est vraiment chiant. Alors il tourne, il tourne. C'est fort dommage parce que je voulais sortir et vous montrer quelque chose. On va pas pouvoir. Alors là, c'est mon étage, c'est là où il y a mon lit. Mais la grande surprise. Alors je voulais vous montrer. Voilà, il vient de se faire déglinguer la tronche. Enfin, il y en a un qui vient d'exploser méchamment. Je vais lui demander pourquoi il est pas mort. Alors je lag vraiment mort. Dans cette belle mélodie que vous pouvez peut-être que vous entendez. Elle est jolie cette mélodie. Hein. Oh oui, ça a envie de dormir. Hein. C'est ça. Minecraft, c'est ça. C'est un monde énorme. C'est un monde magique où vous pouvez tout faire. Je le répète, vous pouvez vraiment tout faire. Il n'y a que la nuit qui vous limite, mais vous pouvez vraiment tout faire. Les monstres, ben, y a le creeper que vous avez entendu plusieurs fois exploser. C'est ce monstre vert. Voilà, vous avez tout vu en image. Vous avez aussi les araignées. Les araignées, c'est le jour, c'est pacifiste et la nuit, c'est méchant, ça vous tue. Alors là, voilà, là, c'était la petite surprise. J'ai fait un chez moi. Que je suis en train de réaménager comme vous pouvez le voir, mais franchement c'est un jeu extraordinaire, c'est la révolution des jeux. Donc vous avez les squelettes et les zombies. Les zombies sont à main nue, ils vous tuent à main nue. Les creepers, c'est vraiment bête parce que vous pouvez les piéger facilement, ils vont tout droit vers vous. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah oui, mon plafond est vraiment mal fait. Je vais voir mon ami. Vous entendez ces bruits? Le voilà. Ça c'est un peu chance chez lui. Hein. Je fais une grande dédicace. Il a d'inventivité. Voilà. Long. Comme vous pouvez le voir, c'est long. Hein. C'est sa mine. C'est sa petite mine d'or. Je vais pas y aller parce que je vais pas demander l'autorisation. En haut, c'est chez lui. Voilà, je sais pas, il doit être en train de méditer. Et on regarde le sol. Il doit le trouver joli, ce sol. Bon, voilà, c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Il est pas cher, c'est que 20 €. C'est la version finale, avant c'était à 15 €. Alors là-bas aussi, c'est une mine. Parce qu'à la base, c'était ma mine, mais des gens sont venus et me l'ont piqué. Ouais, donc c'est un jeu vraiment. Ça vaut le coup de l'acheter. C'est la révolution du jeu, c'est. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps. Sûrement qu'il y aura.
Sûrement qu'il y aura une deuxième partie avec mon ami Voldemort. Là, vous pouvez le voir là. Il s'est mis sur son 31. Voilà, là c'est des escaliers que j'ai fait. C'est vraiment. Alors là, c'est mon petit coin à moi. Voilà. C'est moi qui ai tout fait. J'ai fait ça aujourd'hui. Je vais plus avoir beaucoup de temps. Je vais sans doute faire une deuxième partie. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une deuxième partie. Ce n'est pas fini. À tout de suite.